Il est connu que le péché qui amène le plus la pauvreté, c'est le Zera le Batala. Celui qui fait Zera le Batala, Chassou Shalom, c'est connu que c'est la chose. Et le péché sexuel, d'habitude, c'est la chose qui amène le plus la pauvreté. Dieu nous en préserve. Dans la Hamida, il y a une bracha, une des 19 brachot, qui est celle qui répare le plus le Zera le Batala, c'est Tekar Beshofar Gadol. D'ailleurs, il y a une petite prière qu'on peut intercaler là-bas pour réparer, pour demander à Hachem qu'on répare tout le Zera le Batala qu'une personne aurait été susceptible de faire, Dieu nous en préserve. Il faut comprendre les mots de la prière. C'est, si on ne comprend pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça marche quand même, à part la première bracha de la Hamida, mais normalement, on doit tout comprendre. Or, ici, et là-bas, dans cette bracha, il y a une erreur, je pense, que beaucoup de gens font. « Tekra bo shofar gadol », donc « sonne dans le grand shofar ».« Sa nes le kabes galgoten », « Vessa nes »,« Vessa nes ».« Nes », les gens traduisent par « miracle ». Mais c'est faux, c'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, on voit que lorsque Moshe Rabbeinu a fait un serpent en cuivre, Dieu lui a dit de le mettre sur un nes. Un nes, c'est en fait un étendard, un pieu comme ça, haut. C'est-à-dire, tant l'étendard, les Kabes et Galgoten, pour amener nos exils. C'est ça le sens, et pas faire un miracle pour amener nos exils. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est le sens véritable, et il faut dire le sens véritable de la prière quand on veut qu'elle soit acceptée, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, la Olam, Amen, va Amen.